De Madame Bertani de Paris dans le troisième, une pensée assez profonde, mais je vous serais très reconnaissant profonde, de ne pas... 2m50, 3m... Profonde mais pas creuse. Et vous serais très reconnaissant de ne pas faire des gorges chaudes dessus et de la traiter sérieusement comme elle le mérite. Bah, vous pensez bien, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Allons. Qui a dit « Le sexe est la petite mine d'or des pauvres ». Céline avait dit ça. Non. Parce que moi, je l'ai lu dans Céline. C'est pas Chazot, non. Je l'ai lu dans Céline, mais formulé un peu autrement. Ouais. C'est pas un nain de Blanche-Neige, non? Non. Mon univers... C'est un romancier populiste. Bascule. C'est un romancier populaire. Au bon sens du mot. C'est un romancier plus connu que Jean Dutour. Écoutez, je crois est-ce qu'en qu'il son est plus temps... vieux oui, je crois c'est... qu'en son temps, il a été aussi connu que Jean Dutour. Je crois même qu'il a occupé un fauteuil sous la coupole. Sans blague. Est aujourd'hui assez oublié. C'est un humoriste. Il est oublié. Il y a des romanciers vivants. Est-ce Maurice Bedel? Est-ce Maurice Donnet? Non. Est-ce que c'est un Maurice? Non. Mais parce que j'allais dire Lille. Un genre de questions qu'on ne posait plus depuis plus de 30 ans. Oui. Considérablement progressé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un humoriste? A-t-il survécu à la guerre? Ça n'est pas un humoriste, mais il était assez gay et il avait le sens de la boutade. De la légende, oui, ça y est. Est-ce qu'il a traversé la dernière guerre? Non. Ou bien il est mort avant? Il est mort avant. Il a abandonné. Édouard Estonnier. Non. Mais où allez-vous chercher ça? Il est connu dans les fauteuils de l'Académie. Ah oui, non, il est connu. Il est vraiment connu. C'est-à-dire qu'il avait un patronyme qui était connu avant même qu'il devint lui-même célèbre. Henri Bordeaux? Non. Jean-Philippe Gastel-Noudian. Qui est-ce? Éclairez notre lanterne, monsieur Sim. Je ne sais pas, je vous demande qui c'est. Anatole France. Oui. Très bonne réponse de Jacques. C'est un écrivain qui est dans le purgatoire actuellement. C'est dommage, mais c'est dommage. Et je conseille à tout le monde de le lire parce que c'est un très très grand écrivain. Il en sort en ce moment. J'ai collaboré à une adaptation pour la télévision de l'histoire contemporaine. Livre très amusant. C'est bien à vous de venir au secours d'un vieux confrère. Et il n'est pas gênant celui-là. Je ne ferais pas ça pour un contemporain. De M. Ravix de Viriville. Que faisait Bernadette Soubirous au moment précis où la Sainte Vierge lui apparut pour la première fois? Je refuse de répondre. Elle ramassait du bois. Elle ramassait des châtaignes. Non, elle gardait ses petits animaux et elle s'était réfugiée dans une grotte parce qu'il faisait mauvais temps. Non. Elle était en prière d'abord. Non. Une occupation manuelle? Oui. Elle était tombée, bois, non? Elle ne cassait pas du bois. Elle portait du bois. Elle rattachait ses jartelles. Elle ramassait du bois mort. Alors, elle ne rattachait pas ses jartelles. Elle remettait ses chaussures. Non. Sa gaine? Non. Remettait son collant. C'est un sous-vêtement? Il s'agit d'une pièce de son vêtement. Elle remettait son bonnet? Non. Elle remettait son jupon? Elle remontait sa robe? Elle reprisait son fichu? Non. Elle mettait ses chaussures? Ses bretelles? Non. Elle mettait ses chaussettes? Elle n'avait plus de chaussures. Elle se lavait les pieds. Alors elle ne se lavait pas les pieds. Elle marchait pieds nus. Elle enlevait ses bas. Elle enlevait ses bas. Et pourquoi enlevait-elle ses bas? Pour ne pas les déchirer. Mais non, elle traversait les pieds avec ses bas. Oui, elle allait traverser le ruisseau du moulin de sa vie. Elle ne voulait pas mouiller ses bas. Et c'est à ce moment précis que la Vierge lui apparut. Bonne réponse de Monsieur Martin. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Limacher de Massy. De Madame? Quelle est Limacher? Dites plus simplement qu'elle a épousé un Vietnamien. Il habitait pas Toulon, ce gars? Il s'appelait pas Limacher des provinces? Bon, alors, voici la question. Question intéressante, un peu austère, qui fait appel à certaines connaissances scientifiques précises ou à des expériences personnelles. Quel est le prix... Ça vous embêterait de dire une question austère, youplaboum, simplement pour en mettre un peu de gaieté, non? On peut être austère et ne pas être de bois, monsieur Martin. Oh là là, être ou ne pas être? Oui. Quel est le privilège du ver solitaire? D'être tout seul. Oui, eh bien, c'est lié à cela.
Ah, eh bien, il se suffit à lui-même. Ben oui, il ne peut pas se reproduire. Si. Tout seul. Ah, si, mais tout seul. Avec oui. les anneaux. Tout seul. Il s'auto-féconde. Il ouais. s'auto-féconde. Très, très bonne réponse. Merci, messieurs. C'est un auto-féconde. Je sais, parce que pendant des années, j'ai fait ça dans ma voiture. Alors, ouais. l'auto-fécondation, bah oui, et au prix où étaient les chambres quand j'étais jeune. Mais c'est assez triste, la vie du ver solitaire. Oui, oh, bah oui, oui. Dans une toute petite tête, est-ce en que plus, vous en savez? Je sais pas. Oh, il voyage quand même. Oui, bah, mais. Ouais. Il voit pas grand chose. C'est hein. vrai. Bah, il voit pas grand chose. Et puis, bah, il faut voir ce qu'il bouffe aussi. Ah, oui, c'est vrai. Bah, avec c'est des petits pains, il voit le jour. Avec des petits pains et la salade, il voit le jour, il paraît. Ouais, non. Moi, je connaissais une, c'est un gars qui avait le ver solitaire, donc il va voir le. Le pharmacien qui lui donne un médicament, lui, vous vous asseyez, puis vous attendez que ça passe, et puis quand vous voyez que ça vient, bah, vous tirez. Il est là, et puis finalement, il sent quelque chose, alors il tire. Il tire pendant 4 heures, il y a sa femme qui rentre, qui fait « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et tu vois, je suis en train d'enlever mon ver solitaire. Il dit « Espèce d'imbécile, t'es en train de défaire le col roulé de ton pullover. » Oui, c'est l'histoire de l'anglais très chic qui arrive chez Maxime à 20h et qui dit « Garçon, je voudrais des épluchures, le restant des assiettes, n'est-ce pas ? Mais je paye. Et je voudrais également tout ce qui traîne en cuisine dans les poubelles. Mais je paye. » Et l'anglais se tape sur pas. Puis après, il appelle le maître d'hôtel et il dit « Alors maintenant, je voudrais une bisque de homard à la Savigny, une selle de chevreuil grand veneur et un soufflé au marasquin. » Et il se le tape. Et le maître d'hôtel, il dit « Mais monsieur, pourquoi cela ?» Il dit « C'est très simple, n'est-ce pas ? J'ai le ver solitaire, alors je nourris d'abord l'horrible bête et après, moi, je dîne tranquille. » Bon, on en a fini avec ces vers ? De monsieur Goussard, de Saint-Maurice. Goussard, j'ai bien connu. 122e régiment d'infanterie, Goussard. Non, Goussard. Brave type. T'es dans le même dortoir avec Dutour. Dutour, Goussard, la Yourcenère. Tu te souviens de l'assistante sociale? Ah, la mère Yourcenère de la Croix-Rouge. Ah, la vache. Ton jeune. T'as perdu ton bras, mon petit gars. Tant mieux, ça fera une main de moins à laver. Vraie femme. Ouais. Ah, Goussard, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est retiré à Saint-Maurice, Goussard. Ah, Saint-Maurice, Saint-Maurice quoi, d'Ardèche, de Genevois? Non, comme il boit beaucoup et qu'il paye peu, c'est Saint-Maurice-l'Ardoise. Saint-Maurice-l'Ardoise. Question donc de monsieur Goussard. Bonjour, monsieur Goussard. Quel est votre problème? J'écoute. Allô, monsieur Goussard, qu'est-ce qui ne va pas? Dites tout à monsieur Philippe Bouvard. Dites tout au docteur Dutour. En quoi consiste la profession de mailleuiste? Il n'arrive même pas à le dire. Mailleutiste. Mailleutiste. C'est un accoucheur. C'est un accoucheur. Très bonne réponse de Pourtant, j'avais essayé de l'égarer volontairement au début. On hein. connaît cette partie à fond. Hein. Un accoucheur, un oui. mailleutiste, c'est un accoucheur. Tiens. Oui. Et il sert de maille? Non, il démaillote. Ça veut dire accoucher en grec, mailleutiste. Ah ouais. Oui, parce que M. Dutour connaît le grec. Vous connaissez l'italien du coin. M. Dutour, lui, connaît le grec. Ça mène quand même un peu plus loin. Aux grosses têtes. Oui, à Athènes. Oui. De je madame... sais mon latin, moi aussi. Ça m'a pas servi souvent. Moi. Dans les presbytères. Non. De mademoiselle Jameau de Beaumont. Je connais le papa. Alors, mademoiselle Jameau de Beaumont. Selon le code du Saint... Arrêtez, Philippe, ne sucez pas votre doigt, mademoiselle. Enfin, tout de même, ça fait 3 fois que je vous regarde. N'obligez pas à vous mettre les mains sur la tête dans le coin de la salle. Ah ouais. Vous savez ça, je ne veux pas qu'on suce son pouce pendant cette émission. Vous comprenez, mon petit? Je dis ça dans l'intérêt de vos parents. Vous savez ce que coûte une prothèse dentaire ou qu'un appareil correcteur des dents. Vous comprenez, mon petit? Hein? Bon, alors, quand tous les autres seront sortis, venez me voir, hein? Venez me voir, ma petite fille. Un petit peu de cachou, là. Hein? Hein? Vos parents ne font pas partie de la Fédération Cornec? Vous ne pouvez pas avoir d'ennui avec la Ligue? Dans le cachou, vous avez intérêt à l'acheter en gros, hein? Pour savoir, j'ai une usine qui travaille pour moi. Alors, mademoiselle Jameau, selon le code du savoir-vivre,
Quelle est la seule visite qu'on ne soit pas obligé de rendre? Celle qu'on fait au pape. Bah oui, exactement. Alors là, le pape n'est pas obligé de la rendre. Ouais, non, enfin, c'est pas courant. Ah, le pape vient vous voir, on n'est pas obligé. Ben, je passerai la semaine prochaine avec les enfants et ma femme. On amènera le gâteau. Non, il a répondu. Je suis désolé. C'est la visite à un mort, parce qu'il est difficile qu'il vienne vous saluer la semaine d'après. Vous allez rendre visite à un mort, le cadavre ne peut pas frapper la semaine d'après en faisant... Si, à la bonsoir, table. Monsieur dame. En faisant tourner la table. C'est presque ça, mais j'aimerais que vous disiez... c'est les gens qui viennent vous faire leurs condoléances. Voilà, la visite de condoléances, on ne la rend pas, bien sûr. Très bonne réponse de messieurs Martin et Dutour. Madame le prieur d'Agon-Coutainville, voyez rien que des sociétés à part entière. Dans quel tableau célèbre? Oh, vous avez deux crocodiles aux pieds, splendide. Elles sont belles. Oh, des belles pompes, hein. Ravissant. Surtout vous qui chaussez du 22. Oui, ça c'est vrai. Vous savez pas qui faisait ce modèle chez Nathalie, ça? Il peut se payer des chaussures de luxe, lui, parce qu'il y a moins de cuir, ça coûte moins cher. Non, vous devriez mettre des chaussettes avec, parce que c'est... C'est pas ses chaussettes que tu vois, c'est son pullover. Eh ben, je suis habillé sur mesure. C'est joli. Qui est-ce qui les a tricotés? Vraiment joli. Hein. Oh. C'est-à-dire, c'est assez pointu. Alors, pour ce que j'aurais à faire tout à l'heure... Je pourrais jamais lever la jambe aussi haut, alors. Ah, mon tout petit, allez. Monsieur Dutour, je suis navré, car la conversation s'égare. Navré, vous savez, on peut être petit et charmant. Petit et très bien fait, monsieur Bouvard. Ne soyez pas navré. Bien sûr, je suis quand même pas Pyral, hein. Mais non, tiens, passe-moi la loupe, faut que je... Je fais quand même 1m69. Ah, tiens, vous êtes arrêté. Ça ne m'étonne pas de vous, ça. Vous êtes dur avec les enfants, quand même. Monsieur Sim, combien vous mesurez, vous? 1m68, je suis plus petit que vous. Mais je fais plus grand. Parce que je suis moins gros. C'est embêtant, nous deux, c'est qu'on a des bosses derrière la tête, parce que quand on s'assoit sur les toilettes, on a le couvert qui nous tombe sur la tête. J'avais jamais envisagé ça comme ça. Vous en souffrez, vous, hein? À chaque coup, paf. Bon. Alors, bon, si bah, je crois que nos disgrâces physiques ont été assez étalées. Mais non, justement. Vous ressemblez au mannequin pisse habillé. On l'a déjà dit, ça, hein? C'est vrai. Monsieur Bouvard, je voudrais savoir pourquoi Chazot, quand il vous parle, vous appelle Ginette. Eh bien, parce que il y a des années, je l'ai appelé Tante Marthe. Ah. Je sais pas, je trouvais que bon, je vois pas le rapport. Allait bien. Ah bah. Bon, Marthe, pourquoi, on voit pas été... pourquoi, mais... Pourquoi, il avait travaillé chez Trigano. Et alors, bon, je lui disais bonjour Tante Marthe, il me disait bonjour Ginette, vous établissez des rapports de force plus bien mesurés. Sûr. Vous comprenez maintenant pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur? Est-ce que vous pensez qu'on peut décorer un garçon qui s'appelle Ginette Bouvard? Oui. Bon, on a bien décoré Ludmila Tchirina. Oui. Pourquoi pas Ginette Bouvard? Alors là, oui, vraiment, je demande pourquoi. Mais au fait, pourquoi elle l'a eu, Ludmila? Elle le sait, vous lui demanderez. Elle l'a attrapé, elle l'a pas eu. Je reprends, je commence. Qu'est-ce que vous reprenez? C'est difficile, parce que entre Tchirina, la Légion d'honneur et mes chaussures, il est difficile maintenant de placer une question. Reprenez-en, j'en prends fait aussi. Ici après. On fait plus de la culture, non, en tout cas. Non, hein, non, on fait de l'élevage. Bien rarement. Dans bon, quel... Oui, parlez. Oui, non, si vous, en plus, vous grommelez, monsieur Dutour... Il grommelle, hein. Oui. Le dromadaire bruite, le Dutour grommelle. Non, il blatère. Le dromadaire blatère. Le léopard proutrulle. Voilà. Et le cerf ré. Et la carpe, qu'est-ce qu'elle fait, la carpe? Non, vous croyez que c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable du tout. Hein? Mais les chaussures sont très belles.
C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont très belles, moi elles me plaisent beaucoup. C'est pas ses chaussures, c'est sa voiture décapotable. Ça y est, ça reprend. Oh. Moi je l'ai vu partir avec sa famille. Ah, avec oui. Une chaussure, oui. Ah bon. Faites attention, quand vous allez vous lever, vous marchez sur votre cravate. Mes chaussures sentent la brillantine, peut-être, non? T'es vraiment, Philippe, je suis navré. Parce c'est que... pas mal pour des chaussures de sentir la brillantine. Oui. Moi, je trouve d'ailleurs que les cheveux qui sentent le cirage, c'est embêtant. Oui, oui. Ça peut avoir son charme. Bon, allez, posez-la votre question. Oui. Vous en grillez d'envie. Oh, moi, je vous vois bien que vous en mourrez. Ne tripotez pas cet élastique. Oui. Mais t'es pas en élastique, c'est sa montre. Allez, vous êtes bien mignon quand même. Allez. Alors, la question de Madame Le Prieur. Elle a du mérite, Philippe, Madame pas la Le peine Prieur. De la poser à quatre pattes, asseyez-vous. Madame Le Prieur et moi, nous avons du mérite. Oui, agricole. Rien ne nous sera épargné. Ça a peu de choses, en effet. Allez, marchons. Alors, Tchérina, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pour rien, là. Elle est pour rien. Oh, bah. Chérina, elle est pour rien. Attention, vous allez se mettre en colère, il va monter sur ses grands chevaux, il va nous dépasser. Hein. Bon. Je fais la bascule. C'est fini, ça, mais c'est fini, ça. Curieux, quand même, de se faire insulter par un genou. Oui. Oui, et un genou qui parle, c'est rare. Et à nous deux, on court. Vous voyez, là, tout à l'heure, il était gay, Bouvard, mais il est tout triste. Oui, non. Oh, vous l'avez mis des choses. Bah, on l'a mis plus bas que terre. À vous entendre, moi, je sais plus si je suis debout ou assis. Rassurez-vous, vous êtes allongé. Allez, on en parle. Allez, rampez, rampez. Elle a dit un petit, ça fait plus d'usage qu'un grand dans la conversation. Hein, faites ouais. Attention, Philippe, vous allez marcher sur votre légion d'honneur. Bon, on y va. Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville demande... J'ai entendu ce nom-là. Dans quel tableau célèbre peut-on voir les portraits de François Ier, Charles Quint, Soliman Ier, Marie, reine d'Angleterre et le Titien? Un peintre italien, non? Oui. Ça... Oui. Un peintre contemporain de tous ces non. gens-là. Non. En tout cas. Qui avez-vous dit? Parce que c'est quand même curieux tout ça. Le Titien. Le Titien, François Ier, Charles Quint. Merci d'avoir dit le Titien sans ajouter à sa mémère. Non, car... oui, ah, bah, non. Combien sont-ils? Combien sont-ils, s'il vous plaît? Mais si vous voulez, je peux le faire. Hein, Vous savez ce que disaient les peintres à cette époque-là? Le Titien aboie, mais le Caravage passe. Le Tintoret. Non. Non, c'est un grand peintre italien. Oh, un oui. Grand peintre. Un grand oui. Le Tintoret à sa mémère. Combien sont-ils, ces personnages? Oui, c'est Véronèse, le parrain de la peinture. Dans les noces de canon. L'inventeur du célèbre, la célèbre couleur qui vert. Porte son nom, le vert Véronèse. Ouais. Qui est bleu. Et son tableau, comment c'est s'intitulait-il? Les noces de les Cana. Les noces de Cana. Bravo, monsieur Dutour. Voilà. Ça, c'est de la culture. Merci hein pour les et autres. Et en ça, prime, il y a aussi Véronèse dedans. De, ah, en plus oui, en prime. Ah oui, de, oui. Ah bon, oui. De Véronèse? Ouais. Ne faites pas semblant de vous intéresser à ce qu'on dit, monsieur Gaillard. Ça m'intéresse, monsieur Bouvard. Autant que vos chaussures. C'est pas, la gauche, on dirait un tube de peinture qui fuit, là. Dedans, elles sont inusables, mes grolles, hein. Bon, alors. Oh. Allez, marchons. Là, c'est jeune, question de mademoiselle Cochon de Sissonne dans l'Aisne. Qu'est-ce qu'elle veut, madame Cochon? Elle pose une excellente question et je serais désolé que cette question prête à équivoque. Oh bah, alors on va tout vraiment, Philippe, c'est parce que vous ne connaissez pas le genre de l'émission, non, non. Mais il pense, oui. Nous avons là un académicien français, nous sommes là les représentants d'une oui. certaine culture que j'ai toujours cherché à défendre. Comptez sur nous que nous n'allons pas parler de la bon. Gaudriole. Alors je suis rassuré. Oui. Où se trouve la queue de cheval chez l'homme? À l'écurie. Monsieur Martin, les travaux pratiques demain seulement. Monsieur Martin sort ses diapos. T'as rien trouvé?
On l'a sur soi. Alors. Oh, je sais plus, attendez. Oui, je sais même plus à quoi on joue. Est-ce qu'on l'a dans une poche? C'est sur la tête? Non. C'est, sur la, c'est la fin de la colonne vertébrale. Oui, c'est la fin de la moelle épinière. Très bonne réponse de monsieur Martin.